Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Chers amis, est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Très bien, merci. Donc, on débute les deux cours, les fractures du bassin et les fractures du côtil. Donc, concernant les fractures du bassin, le bassin est appelé aussi l'anneau pelvien ou la ceinture pelvienne. Il est composé de deux os, ce sont les deux os coxaux qui sont reliés en arrière au sacrum. Ce qui relie ces os, c'est un ensemble de ligaments sacro-iliaques en arrière et des ligaments symphysaires en avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est des ligaments très épais et très puissants. Il n'est pas facile de les rompre ou de les déchirer. Alors, regardez sur cette radiographie, on voit un bassin chez un adulte. On voit les deux os coxaux droit et gauche, la symphyse pubienne en avant, les articulations sacro-iliaques droite et gauche. D'accord? Et ça, c'est l'articulation coxo-fémorale entre le bassin, entre le côtil et la tête fémorale. Donc, ce bassin, comme vous voyez, il est circulaire, il est arrondi, il forme une ceinture, comme la ceinture scapulaire, on a la ceinture pelvienne. Donc, l'os coxal, initialement, il est formé par trois pièces osseuses primitives. Donc, chez un fœtus, on ne va pas trouver un os coxal, un seul os. On va trouver trois pièces osseuses qui vont, en fin de croissance, fusionner. La première pièce, c'est l'ilion. En bleu, c'est l'ischion. Et en rouge, c'est l'épubis. Ces trois parties sont séparées au centre par ce qu'on appelle le cartilage de croissance, le cartilage en Y. Ce cartilage disparaîtra à la fin de la croissance et on aura la forme de l'adulte, l'os, une seule pièce osseuse. Donc, le côtil est une cavité creusée dans l'os coxal, recouverte de cartilage articulaire et qui va s'articuler avec la tête fémorale pour constituer l'articulation de la hanche. Alors, concernant les traumatismes du bassin, il faut savoir qu'il y a deux types de traumatismes, deux grandes familles. On a les lésions qui vont rompre l'anneau pelvien, c'est-à-dire ils vont ouvrir l'anneau pelvien soit en avant, soit en arrière, et donc ils vont avoir un retentissement sur la fonction de suspension, c'est-à-dire la station debout et la marche, et d'autres lésions ne vont pas interrompre la continuité de l'anneau, elles vont être partielles, des fractures, des lésions partielles, et on va dire qu'elles sont moins graves et plus ou moins bénignes par rapport aux premières. Il faut savoir que de nombreux organes creux passent dans l'anneau pelvien. Donc, le bassin abrite des vaisseaux, mais aussi des organes creux appartenant à l'appareil digestif et urinaire qui peuvent être lésés au moment du traumatisme. Comment on va classer les fractures du bassin ? On va commencer par les plus gentilles, disons, les fractures parcellaires. Elles sont, dans la majorité des cas, sans incidence sur la fonction des membres, car elles ne vont pas rompre l'anneau pelvien. Le mécanisme responsable de la lésion est double. Ça peut être un mécanisme par arrachement. Et je vous rappelle que l'arrachement osseux est une fracture due à une contraction brutale d'un muscle qui va détacher sans insertion. Donc, il va détacher l'endroit où il s'insère sur l'os. Ce sont les fractures par arrachement. C'est des lésions qui vont se voir généralement chez les sportifs. Ou l'autre mécanisme responsable des fractures parcellaires est le choc direct. Regardez sur cette planche une fracture de l'ilion où on voit au-dessus de la tête fémorale, de l'articulation, un arrachement osseux de l'épine iliaque antéro-inférieure. Et qu'est-ce qui s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure ? Un muscle qui est le droit antérieur. Il fait partie des muscles de la cuisse, du quadriceps. C'est un des faisceaux du quadriceps. Il s'insère à ce niveau. Et donc, quand il va se contracter brutalement chez un sportif,
il va arracher son insertion et on aura une fracture de l'épine iliaque antéro-inférieure. Sur cette radiographie, on a un détachement de l'épine iliaque antéro-supérieure, cette fois-ci par contraction brutale d'un autre muscle qui est le muscle couturier ou sartorius. Sur cette radiographie et ce scanner, on voit une fracture de l'aile iliaque, de la crête iliaque. La crête iliaque est une partie de l'os iliaque qui est sous la peau, qui est palpable et qui peut être fracturée par un traumatisme, un choc direct. Plus rarement, on a une fracture de l'ischion. Comme vous voyez ici, une partie de la branche ischio-pubienne par choc direct, c'est rare, car cet os est bien recouvert par des grosses masses musculaires des fessiers, mais cette lésion peut être secondaire aussi à un arrachement par traction d'un groupe musculaire qui sont les muscles ischio-jambiers. Ce sont les muscles postérieurs de la cuisse qui s'insèrent sur cette branche et qui, chez un sportif, suite à une contracture brutale, vont détacher leur insertion. Des lésions un peu plus sérieuses, car elles sont moins bénignes, ce sont les fractures du sacrum. Elles s'accompagnent parfois d'atteintes des racines nerveuses de la queue de cheval et vont donner des paralysies partielles au total du membre inférieur. On rajoute aux fractures parcellaires les fractures du coccyx, qui sont souvent bénignes, mais elles sont très douloureuses car elles sont responsables de douleurs chroniques en position assise. Donc, dans ce groupe, je pense que la fracture la plus grave, ce sont les lésions du sacrum, car elles peuvent induire par section ou par compression des troubles neurologiques qui peuvent être définitifs. Concernant les fractures complexes du bassin, elles ont comme caractéristique commune l'interruption de la continuité de l'anneau pelvien, soit d'une façon totale, complète ou incomplète. Cette interruption de l'anneau pelvien elle est secondaire à des traumatismes violents. Donc, c'est l'apanage des traumatisés, des accidentés de la route, des accidentés de la circulation, des chutes des lieux élevés. Elles sont graves et parfois mortelles. Les lésions associées sont fréquentes, vu la violence du traumatisme. Le mécanisme est indispensable pour comprendre la lésion. C'est-à-dire, à partir du mécanisme, on va induire la lésion, et à partir de nos radiographies, de l'analyse radiographique, on va déceler le mécanisme responsable. Donc, on peut distinguer quatre mécanismes. Premièrement, les compressions antéro-postérieures. Alors, c'est l'exemple de quelqu'un qui va, un ouvrier dans un chantier, qui va être écrasé contre le mur par un engin. Exemple, hein, c'est un exemple. Alors, si cette force est appliquée sur le pubis, on va avoir la fracture des quatre branches pubiennes. On parle de fracture des deux cadres obturateurs. Par contre, si cette force est appliquée un peu plus haut sur les épines iliaques antéro-supérieures, on aura l'ouverture de l'anneau pelvien. Ça va donner une disjonction de la symphyse pubienne, une ouverture de la symphyse pubienne en avant, avec la possibilité de l'ouverture d'une ou des deux sacro-iliaques en arrière. Donc, la lésion, elle est antéro-postérieure, mais elle va dépendre du point d'application de la force. Regardez sur cette radiographie où le point d'application était sur le pubis et les quatre flèches vont montrer des solutions de continuité des quatre branches pubiennes. Donc, on va dire que c'est une fracture des deux cadres obturateurs. Par contre, sur cette radiographie où la force a été appliquée sur les épines iliaques antéro-supérieures, qui sont montrées là par les deux croix, vous voyez qu'il y a une ouverture, une disjonction de la symphyse pubienne en avant, montrée par la flèche inférieure, et une ouverture de la sacro-iliaque droite, désignée par la flèche d'en haut. Et voici une coupe scanographique où on voit que l'articulation sacro-iliaque droite est ouverte, il y a un diastasis par rapport à la sacro-iliaque gauche. Donc le scanner est toujours utile, surtout pour l'analyse des lésions postérieures du bassin.
Autre mécanisme, autre lésion, ce sont les compressions latérales. On va prendre l'exemple du même ouvrier de chantier qui va être écrasé par un engin contre le mur, mais cette fois-ci, la force va être appliquée latéralement sur l'épine iliaque, sur la crête iliaque. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des lésions en avant, au niveau antérieur. Alors, vous allez avoir soit une disjonction symphysaire avec chevauchement. Donc, vous allez avoir une disjonction, mais contrairement à tout à l'heure, vous allez remarquer un chevauchement des deux cadres obturateurs, car la compression, elle est latérale, pas antéro-postérieure. Ou vous pouvez avoir, comme vous le voyez en bas, une fracture des branches pubiennes. Mais vous aurez toujours l'impression que les deux hémibassins vont se chevaucher. L'un va monter sur l'autre. Et en arrière, on a trois possibilités, trois lésions possibles. Soit c'est une fracture qui va siéger au niveau du sacrum, de l'aileron sacré, soit la lésion va siéger au niveau de la sacro-iliaque, soit elle va toucher l'aile iliaque. Donc ces trois possibilités peuvent exister. Mais vous aurez toujours la tendance au chevauchement des deux hémibassins. Si la compression latérale est. La compression latérale se fait sur le grand trochanter. Ici, la force va pousser la tête fémorale via le col du fémur et c'est le cotyle qui va se fracturer. Ce n'est pas un traumatisme, on ne va pas avoir les mêmes lésions que tout à l'heure. Donc, cette lésion, la fracture du cotyle, entrera dans le cadre du prochain cours. Maintenant, les mécanismes par cisaillement vertical. Le cisaillement vertical, c'est le cas de quelqu'un qui chute au niveau dans un chantier, d'une hauteur de 2 étages, par exemple, et une fois arrivé au sol, il va percuter la terre, il va percuter le sol par l'intermédiaire d'un seul pied. Donc la force va être transmise de son pied vers tout le membre inférieur, vers l'articulation de la hanche et vers un hémibassin. Et cet hémibassin aura tendance à monter en haut, car la force va le pousser de bas en haut. Et vous allez trouver en avant une disjonction de la symphyse pubienne ou une fracture du cadre obturateur, mais cette fois-ci, vous allez trouver toujours un hémibassin qui est plus haut que l'autre. On va trouver donc une ascension de l'hémibassin, contrairement à tout à l'heure. En arrière, vous allez trouver une de ces lésions, soit une fracture de l'aileron sacré, soit une ouverture de la sacro-iliaque, soit une fracture de l'aile iliaque, mais toujours avec cette tendance au cisaillement. C'est-à-dire, il y a toujours un hémibassin, l'hémibassin intéressé par le traumatisme, il se retrouve plus haut que le reste du bassin. Alors, dans ces lésions, l'instabilité postérieure est complète et les déplacements se font dans tous les plans de l'espace, parce qu'il y a une rupture de tous les ligaments sacro-iliaques et pubiens, et le déplacement prédominant, c'est le déplacement vertical. Comme vous voyez sur le schéma et sur la radiographie, l'aile iliaque, l'hémibassin droit, n'est pas au même niveau que l'hémibassin gauche n'est pas au même niveau que l'hémibassin droit. Il est plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un traumatisme par cisaillement. En avant, nous avons une disjonction de la symphyse pubienne, une ouverture de l'articulation symphysaire, et en arrière, une ouverture de la sacro-iliaque, mais avec cette tendance au déplacement vers le haut, le déplacement vertical de l'hémibassin intéressé. Regardez aussi sur cette radiographie en bas sur ce scanner, où on voit en avant, matérialisé par la flèche en blanc, la disjonction de la symphyse pubienne et on voit que les deux bords de la symphyse ne sont plus au même niveau. Cela témoigne d'une ascension d'un hémibassin gauche. Le scanner, comme je vous l'ai dit, il est utile afin d'étudier les lésions postérieures. Alors, dans le cadre de ces fractures, nous décrivons la lésion de Malgaigne qui associe les fractures des branches pubiennes et la fracture de l'aile iliaque du même côté. C'est une lésion qui a été décrite par un ancien chirurgien qui s'appelle Malgaigne. Et on a la lésion de Voillemier qui, elle, associe une fracture des branches pubiennes d'un côté et du même côté une fracture du sacrum. Donc, ce sont des lésions particulières qui portent le nom de ceux qui l'ont décrite pour la première fois.
Alors, est-ce que les traumatismes sont toujours, les vecteurs de force sont toujours symétriques? Non, on peut avoir des compressions asymétriques. Par exemple, dans le cas de d'éboulement de bâtiments, d'accidents de mine, de tremblements de terre, où le bassin va subir des forces venant de tous côtés. Et là, ça donne une compression asymétrique avec des lésions multiples qui peuvent s'associer. Nous décrivons dans ce cadre une fracture particulière qu'on appelle la fracture en anse de seau, qui associe en avant une fracture des branches pubiennes d'un côté et en postérieur une lésion de la sacroiliaque ou de l'iliaque contralatérale. Donc on appelle ça une lésion en anse de seau. En avant, c'est d'un côté et en arrière, c'est la lésion est du côté opposé. Alors, ces lésions du bassin, ces fractures du bassin donnent-elles des complications? Et oui, plus les déplacements sont importants et puis plus les complications sont plus nombreuses. Ces complications peuvent être nerveuses dans le cadre des lésions, surtout par cisaillement, par déplacement vertical, où un hémibassin va s'ascensionner, les racines nerveuses du plexus lombosacré vont être soit comprimées par le déplacement osseux, soit siège d'une élongation, c'est-à-dire d'un étirement, et ça peut donner des lésions, des paralysies totales ou partielles du membre qui peuvent être même définitives. Autre complication possible, ce sont les complications d'ordre vasculaire. De nombreuses veines et artères tapissent le bassin et l'os du bassin est un os spongieux, donc lui-même, il va saigner abondamment. Et donc, ces déchirures de veines et ces déplacements osseux, ces fractures vont être responsables d'une perte sanguine. Cette perte sanguine va donner un hématome qui est sous et rétropéritonéal, donc il n'est pas intrapéritonéal, qui peut être très important et être responsable d'un état de choc. Les lésions urinaires. Eh bien, vous savez que la vessie se trouve juste derrière la symphyse pubienne et les branches pubiennes. Donc, les déplacements des fragments peuvent être responsables de lésions de l'appareil urinaire. Alors, comment la vessie va être lésée? La vessie, vous la voyez là en numéro 2, elle est en rose. Si elle est remplie au moment de l'accident, elle va exploser. Donc, elle va éclater par hyperpression et les urines vont généralement aller dans l'abdomen et va donner un syndrome péritonéal, donc rupture intrapéritonéale de la vessie. La rupture aussi peut se faire en sous-péritonéale, soit par perforation, donc la vessie est blessée par une branche pubienne mardia donc acérée qui va la déchirer et on aura la propagation des urines en sous-péritonéale, où cette vessie va être arrachée lors des mécanismes des déplacements importants. On va voir un arrachement et cet arrachement va être responsable de sa rupture et l'issue des urines en sous-péritonéale. Est-ce qu'il n'y a que la vessie qui peut être touchée? Non. L'urètre postérieur, prostatique ou membraneux, peut être aussi rompu par les déplacements ou touché par un fragment osseux. Et là, ça va vous donner un tableau d'urétrorragie avec un globe vésical par impossibilité d'uriner. Donc, la clinique, l'examen clinique du blessé va attirer l'attention vers le bassin. Donc, on va suspecter cette fracture sur l'examen clinique. Comme tout traumatisé, le plus urgent, c'est d'éliminer un état de choc. Si le patient est conscient, l'interrogatoire révélera des douleurs pubiennes en avant ou sacroiliaques en arrière. On note généralement une impotence fonctionnelle. Donc, le malade ne peut pas se mettre en position assise ni ne marcher. La palpation notera une mobilité anormale du bassin. Donc, on va mobiliser les deux ailes iliaques et on va sentir des douleurs. On va faire ressentir au patient des douleurs en arrière et en avant. Et on va, en mobilisant les ailes iliaques, apercevoir qu'il y a un écartement anormal des ailes iliaques, il y a un déplacement anormal. Et on appelle cette manœuvre la manœuvre de Larry. La palpation de la symphyse pubienne trouvera aussi, dans les disjonctions importantes, un vide. Donc, entre les deux berges, nous allons, notre doigt va trouver un vide témoignant de l'ouverture de la symphyse pubienne.
Des touchés pelviens sont obligatoires à la recherche des plaies périnéales qui peuvent être responsables d'une infection grave par germe anaérobie et emporter la vie du patient. Donc, il faut bien inspecter et palper le périnée. Il faut rechercher une urétrorragie. L'examen urinaire est obligatoire. Soit le malade urine d'une façon claire et donc il n'y a pas de lésion, ni du haut ni du bas appareil urinaire. Soit vous avez une hématurie totale, donc là il faut plutôt penser à un traumatisme du rein. Soit il y a une impossibilité d'uriner. S'il y a une impossibilité d'uriner, il faut préciser l'heure de la dernière miction. Il est possible que ce soit une rupture de l'urètre postérieur. Il est possible que ce soit une rupture extra-péritonéale de la vessie ou une rupture intra-péritonéale. Et là, vous allez trouver à l'examen clinique des douleurs abdominales, une contracture ou une défense. C'est un véritable syndrome péritonéal. Les ouvertures cutanées ne sont pas rares. Attention aux plaies du périnée car elles peuvent se compliquer d'infections terribles. Le bilan radiologique et l'étude anapath se fait sur les radiographies. Donc, on demandera systématiquement chez tout traumatisé polytraumatisé une radiographie du bassin de face. On peut céder d'incidence ascendante ou descendante pour mieux étudier les articulations sacro-iliaques. D'autres incidences particulières élimineront, dans le cadre de traumatisme du bassin, une fracture du cotyl. Ce sont les trois quarts alaires et trois quarts obturateurs qu'on va étudier tout à l'heure. Et le scanner, je vous ai dit qu'il apporte beaucoup d'informations, surtout sur le sacrum et sur les sacro-iliaques et les ailes iliaques en arrière. Voici des exemples de coupes scanographiques transversales où on voit des lésions des sacro-iliaques en arrière. Alors, le traitement des fractures du bassin. Alors, il faut savoir que le traitement des lésions osseuses est entrepris toujours après celui de l'état de choc et de la lésion associée. Donc, on ne traitera la lésion osseuse qu'après avoir stabilisé l'état du malade et avoir traité une autre urgence d'un autre appareil. L'os, on le laisse en dernier. Le traitement, par contre, peut débuter dès les lieux de l'accident par des mesures de réanimation. Chez quelqu'un, un traumatisé chez qui on suspecte un traumatisme du bassin avec un déplacement important des deux hémibassins, des deux os coxaux, on peut céder par la technique de Seattle, si on n'a pas de matériel. Donc, on met le patient sur un drap et le drap, on va le fermer d'une façon assez serrée pour rapprocher les deux os coxaux et ça permettra de diminuer le saignement que j'ai tout à l'heure évoqué, et donc de diminuer le saignement et d'améliorer l'état hémodynamique du patient jusqu'à l'arrivée au centre d'urgence. Chez des équipes spécialisées, au lieu de mettre un drap, on peut céder d'une ceinture pneumatique, ça ressemble à un brassard de tensiomètre. On va le mettre autour des deux os coxaux et on va le gonfler, ça permet de rapprocher les deux os, donc de diminuer le saignement, de réduire l'hématome rétropéritonéal et de conserver un bon état hémodynamique. Alors, pour les fractures simples, parcellaires, non déplacées, on peut avoir recours seulement au décubitus simple. Donc, on demandera au patient de rester allongé pendant quelques semaines. Pour une fracture des branches pubiennes, ça peut aller de un mois jusqu'à six semaines. Et en attendra juste la consolidation. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun traitement spécifique à prendre. La fracture n'est pas déplacée, elle ne demande qu'à consolider. Sauf qu'il faut faire très attention chez ces malades à qui on demande de rester au lit, aux troubles en thromboemboliques. Donc, il faut toujours une prévention des maladies thromboemboliques, généralement par épanarinothérapie à bas poids moléculaire. Pour certaines disjonctions de la symphyse pubienne, on peut associer au décubitus un hamac. Vous voyez sur le schéma un hamac qui est relié à des cordes, à des poulies, à des poids. Et le rôle de cet hamac est de fermer la disjonction symphysaire en avant et les disjonctions postérieures en arrière et jusqu'à la cicatrisation ligamentaire. Donc, c'est un traitement quand même astreignant. Le patient doit rester allongé pendant plusieurs semaines en attendant
la cicatrisation et l'amélioration de son état. Lorsque nous avons, en plus de la disjonction des sacro-iliaques ou symphysaires, une ascension d'anémie bassin, on associe à la MAC, au décubitus et à la MAC, une traction dans l'axe du membre par l'intermédiaire d'une branche transtibiale ou transcondylienne reliée à un système de poulies et de poids qui permet, à travers la traction, de faire descendre l'hémibassin à sa place jusqu'à la cicatrisation ligamentaire. En cas d'hémorragie interne, lorsque l'état hémodynamique du malade n'est pas stable, on peut utiliser un clan pelvien, comme vous voyez sur les schémas, comme le clan de Gans. Il ressemble à un gros fixateur externe. Il a deux pointes qui vont être mises en contact des os coxaux et on va fermer ce bassin et fermer ce clan. Ce clan va rapprocher les os coxaux, réduire le saignement vasculaire et osseux, donc réduire l'hématome rétropéritonéal et diminuer les pertes sanguines. Donc c'est un traitement d'attente jusqu'à ce qu'on stabilise l'état du patient, jusqu'à ce qu'on traite une lésion d'un autre appareil plus grave, un hématome extradural, un épanchement pleural, un hémopéritoine par rupture de rate. Et puis, dans un second temps, on prépare notre malade pour une chirurgie, une ostéosynthèse plus complète. Alors, le traitement chirurgical, il va faire appel à du matériel d'ostéosynthèse. Donc, comme vous voyez sur cette radiographie, on a utilisé une plaque vissée pour maintenir, pour fermer la symphyse pubienne. Et on a utilisé une vis sacro-iliaque ou iliosacrée qui va stabiliser l'ouverture de la sacro-iliaque en arrière. Regardez sur cet exemple, on voit une disjonction de la symphyse pubienne très importante, hein, de plus de 5 cm, avec une lésion aussi des sacro-iliaques. Donc, ce patient présentait en plus une rupture de la vessie. Donc, après avoir, comme je l'ai dit, traiter la lésion associée, donc après avoir réparé la vessie, le chirurgien orthopédiste a réduit la symphyse pubienne, il a fait une ostéosynthèse par une plaque vissée. Voilà, j'ai vu la symphyse pubienne qui est réduite avec la plaque vissée en place. Voici la radiographie de contrôle. Autre traitement, c'est le fixateur externe. Oui, il a sa place comme traitement définitif, pas comme traitement d'attente. Donc, on va stabiliser, fermer le bassin et on va installer le fixateur externe qui va rester tout le long de la période de cicatrisation ligamentaire qui peut aller jusqu'à entre 45 jours et jusqu'à 3 mois. D'accord ? Et vous voyez sur les radiographies en bas comment les fiches sont ancrées sur l'aliliaque et comment la disjonction de la symphyse pubienne et des sacro-iliaques a été bien réduite. Alors, sur cette diapo, on voit une progression thérapeutique. En haut et à gauche, la radiographie initiale, disjonction de la symphyse pubienne, de la sacro-iliaque avec ascension de l'hémibassin gauche. La radiographie à droite, en haut, montre la réduction parfaite et le maintien par un gland de Gans temporaire. Et puis, en bas et à gauche, l'ostéosynthèse par plaque vissée en avant et vis iliosacrée en arrière. Et en bas et à droite, le contrôle scanographique qui montre la bonne position de la vis. La vis ne traverse pas les trous de conjugaison, donc elle ne rentre pas en conflit avec les racines sacrées. Voici sur cet exemple une disjonction de la symphyse pubienne de 3 ou 4 cm avec une lésion de la sacro-iliaque droite qui a été définitivement traitée par une réduction et un maintien par un fixateur externe. Alors, dans ces traumatismes, quelle que soit la gravité bénin ou grave, les risques de complications thromboemboliques, le risque est majeur. Et donc, la prévention par les héparines à bas poids moléculaire est obligatoire jusqu'à la reprise de la marche et de l'appui par le patient. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions?
Alors, personne n'a des questions? Feriel, Samy, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, docteur. Très bien. Est-ce que Docteur? vous avez des questions concernant le cours des fractures du bassin? Est-ce qu'on Oui, peut... docteur, Oui? s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas bien saisi la partie de la compression antéro-postérieure. D'accord, je reviens. Alors, une seconde. Alors, vous m'entendez? Alors, lorsque Oui, vous... on vous entend. Très bien. Lorsqu'il y a une compression antéro-postérieure, ça veut dire que la force est appuyée sur le bassin d'avant en arrière. D'accord? J'ai pris l'exemple de quelqu'un, un ouvrier qui est coincé entre le mur et un objet, un engin qui vient le percuter, comprimer son bassin. D'accord. Le point d'appui, le point d'impact se trouve sur la symphyse pubienne, comme vous voyez sur le schéma de gauche. La force va être si importante à un moment donné qu'elle va casser les branches pubiennes. Iliopubienne droite et gauche, ischiopubienne droite et gauche. On appelle ça une fracture des deux cadres obturateurs. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a une fracture des quatre branches pubiennes sur une radiographie, donc comprenez que le point d'appui était sur la symphyse pubienne. L'impact a été sur la symphyse pubienne. Donc, ça c'est en avant. Je parle en avant. Donc, quand les fractures, les deux branches pubiennes se déplacent, quel est l'organe qui peut être lésé en arrière, souvent? C'est là? Vessie. La vessie, très bien. Donc, chez ces malades, il faut faire attention à l'appareil urinaire. Et D'accord. je n'ai pas peut-être insisté sur quelque chose. Faites attention, n'allez jamais sonder un patient qui a un traumatisme du bassin suspect ou apparent sur une radiographie, avant d'être sûr qu'il n'y a pas de lésion de l'appareil urinaire. Car un patient qui a une rupture de l'urètre postérieure, chez qui vous allez mettre une sonde urinaire, vous allez aggraver les lésions. Donc, si le patient D'accord. est conscient, laissez-le uriner seul, normalement. Si les urines sont claires, qu'il n'y a pas de rétention, pas d'hématurie, pas d'urétrorragie, donc l'arbre urinaire est sain, et s'il est nécessaire de mettre une sonde urinaire, vous allez la mettre. Et surtout D'accord. chez quelqu'un qui a, à l'examen clinique, une urétrorragie, c'est-à-dire l'issue, pas une hématurie, urétrorragie, de gouttelettes de sang par le méa urinaire, associé ou non à un globe vésical, ça veut dire que cliniquement, il est suspect d'une rupture de l'urètre postérieure. Donc, n'allez pas mettre votre sonde urinaire. Je reviens à la compression antéro-postérieure. Si ce pauvre ouvrier, il a eu le même traumatisme d'avant en arrière, mais les forces ont été appliquées plus haut sur les épines iliaques antéro-supérieures, là où il y a les deux croix, mais sur le schéma de droite. Là, le bassin aura tendance à s'ouvrir comme un livre. Donc, la force va augmenter, les deux hémibassins vont être écartés l'un de l'autre. Qu'est-ce qui va sauter en avant? Et en premier, c'est les ligaments symphysaires. Donc, vous allez avoir en avant une disjonction de la symphyse pubienne, qui peut être de quelques millimètres jusqu'à plusieurs centimètres. S'il y a des D'accord. lésions en avant, et plus la lésion en avant elle est importante, plus il existe une lésion en arrière, soit une lésion souvent au niveau d'une des sacro-iliaques. Donc, vous allez avoir une ouverture d'une ou des deux sacro-iliaques. C'est ce qui différencie ces deux lésions. C'est le point d'impact, le point d'application de la force. Et donc, je reviens sur la radiographie où on voit les quatre branches pubiennes fracturées. C'est un peu plus clair à droite, il y a des fissures à gauche. Là, la force a été appliquée sur la symphyse pubienne. Par contre, sur cette radiographie où on voit un écart important en avant au niveau de la symphyse pubienne et une ouverture importante et claire sur la sacroiliaque droite,
Là, on va comprendre que la force a été appliquée sur les épines iliaques supérieures, pas sur la symphyse pubienne. D'accord. Bon, j'ai peut-être à la fin sauté deux planches, mais bon, ça, c'est pour peut-être ne pas vous allez les lire, hein. c'est pas très important, mais c'est pour ne pas surcharger le cours et profiter pour faire le deuxième aussi. Est-ce que docteur, vous avez... oui? Est-ce que les fixateurs comme le fixateur de Bronner et de Gans existent en Algérie et on les utilise? Existe en Algérie. Écoutez, dans le monde, tout existe. Il suffit d'aller le commander et de l'acheter. Moi, je vais vous dire qu'au niveau de notre service, nous n'avons pas ces clans. Ce n'est pas des fixateurs. On appelle ça des clans. Hein. Normalement, ils se trouvent au niveau des services, des centres de traumatologie et au niveau des urgences chirurgicales. Ce n'est pas quelque chose de très cher ni de très compliqué, mais il faut penser à les acheter. Ça se commande, ça s'achète. Ce n'est pas quelque chose de très technique ou de très cher. C'est quelque chose d'assez simple. Mais nous, au niveau du service, nous, pour le moment, nous n'avons pas acquis un clan de Gans. D'accord. Les fixateurs, on en a. Hein. Les fixateurs, on en a. Ça, c'est autre chose. OK. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vous avez d'autres questions concernant les traumatismes du bassin? Alors, on va continuer tout doucement. Donc, on va parler des fractures du cotyle ou peut-être plus correctement des fractures de l'acétabulum. Alors, l'acétabulum, c'est quoi? Les fractures de l'acétabulum, déjà, il faut comprendre que c'est des fractures de l'os iliac. Ce sont des fractures du bassin, de l'os iliac, mais elles ont comme particularité l'atteinte de la surface articulaire du cotyle. Donc, c'est des fractures articulaires. Et c'est pour ça qu'ils ont une anatomopathologie, un traitement et une évolution différente des autres fractures non articulaires du bassin. Donc, qui dit fracture articulaire dit la nécessité d'une réduction la plus anatomique possible afin de récupérer la mobilité intégrale de l'articulation et d'éviter de l'installation de l'arthrose de la hanche dans le futur. Donc, l'arthrose de la hanche, on l'appelle aussi la coxarthrose. Donc, une fracture du cotyle peut se compliquer d'une coxarthrose à tout moment. Leur fréquence est en augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de véhicules, de routes, de circulation, de déplacements. Et donc, comme il y a une augmentation des accidents de la circulation, dans le futur, on verra beaucoup plus de fractures et de traumatismes du cotyle. Alors, je reviens sur mes petites planches de rappel anatomique. Le cotyle, c'est cette partie circulaire au centre des trois pièces osseuses. Voilà. Donc, au centre de l'ilion, de l'ischion et du pubis, il y a cette cavité articulaire. Cette cavité est bien creusée dans l'os iliaque. Elle est plus profonde que la glène. La glène au niveau de l'omoplate, elle est plate, alors qu'au niveau du cotyle, il est assez concave, il est assez creusé. Et tout ça, il est là pour abriter la tête fémorale et constituer l'articulation de la hanche. Alors, on dit que communément, le cotyle au centre, il est coincé entre deux colonnes osseuses, la colonne blanche et la colonne rouge. Ce sont les deux colonnes qui délimitent le cotyle. Alors, la colonne antérieure, on l'appelle aussi la colonne iliopubienne parce qu'elle part de l'os iliaque et descend jusqu'au pubis. Elle est constituée de l'os iliaque et de la branche horizontale du pubis. Donc, elle délimite la partie en avant, antérieure du cotyle. Elle est assez fragile, elle est assez mince. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit peu de contraintes. Il y a peu de force qui s'exerce sur elle. Contrairement à la colonne postérieure, qui ferme la partie postérieure du cotyle, c'est la colonne ilio-ischiatique,